J'espère bien aujourd'hui les poteaux, petite vidéo pour Assassin's Creed 3. Écoutez, je vais faire un truc que j'ai jamais fait, c'est-à-dire découvrir un DLC d'un jeu qui est sorti il y a des années. Assassin's Creed 3 avec le DLC La Tyrannie du Roi Washington, ouais. Ça va être une totale découverte pour moi. Ben oui, pour moi, je l'ai pas fait à l'époque. Moi, j'ai pas fait à l'époque, mais bon, c'est parti. On commence maintenant à voir ce que ce DLC vaut. Mais là, t'as pas grand chose. Moi, bon, on va prendre des semaines lorsqu'on se trouve pas le bicycle, là, non. Ah! Trois épisodes. Ouais. Ok, on commence par l'épisode 1. Je vous laisse profiter. Ladona Keaton. Réveille-toi, Ladona Keaton. Ladona Keaton, lève-toi, il faut partir. Merde, mais que fais-tu ici? Elle est pas mortelle. Il y a encore ses rêves. Nous sommes arrivés ensemble. Il faut partir maintenant. Je croyais t'avoir perdu. Ouais, moi, vache, je croyais que t'étais morte. Je suis là, j'ai toujours été là. Ah, wow. Ah, tu te sens bien. Elle est survécu au feu. Mieux que bien. Parfait. Ouais, parce que... J'ai entendu crier en gagnant une guerre à tout près d'ici. Ouais, parce que le truc qu'il y a, c'est que quand le remaster est sorti, le jeu était tellement buggé, la neige qui passait sous le porche, la pluie qui rentrait dans les maisons. Wow. Il a oublié de mettre des patchs. Des patchs aux textures. Et honnêtement, ça me sortit du jeu. Le jeu, j'ai fini une fois. Après ça, j'ai pas lancé. Je me suis dit fuck off. Ils m'ont coupé un peu l'envie de jouer Ubisoft, évidemment, comme des fois c'est le cas. C'est rare par contre qu'un bug me coupe l'envie de jouer, honnêtement. C'est rare, très très rare. Il faut vraiment le faire en esti pour me couper l'envie de jouer. Mais bon, regardez Wajah que ça buguait, ça laguait à fond, puis j'ai pu le finir pareil, j'ai pu rejouer pareil. Nous devons découvrir ce qui se passe. Mais là, c'était vraiment du lourd. Du lourd, du lourd, du lourd. Ah ouais, c'est du lourd, vraiment. On était sur du poids lourd. Mais bon. Finalement, qu'on reconnaît les bons jeux. C'est les jeux les plus buggés. Les bons bugs font des bons jeux. Regardez Cyberpunk. Qu'as-tu fait de mal? Cyberpunk est un bon jeu. Cyberpunk, c'est un bon jeu parce qu'il y a des bons bugs dans Cyberpunk. À date, j'ai pas eu vraiment de bugs, mais sa PS4, c'était vraiment du lourd. Hein. Alors, le jeu déclenchait les codes d'erreur de la console. Le jeu lui-même, le jeu, c'est un code d'erreur, là. Le roi voulait qu'on trouve une Mohawk avec des traits. Ouais, le jeu, c'était un code d'erreur. Quand j'ai vu ça, j'ai pas compris. Vous avez le genre de phrase. Depuis un regard, puis il nous sépare, mais c'était ça, c'était ça. Les codes d'erreur puis Cyberpunk, c'était ça sur PS4, là. C'était... Oh, wow. Lien, en même temps... Arrêtez! Quelle idée de jouer sur une console qui a des codes d'erreur. Même si c'est pratique, les codes d'erreur, mais...
Quand le jeu les déclenche, c'est pas pratique, mais bien. Oh, faut la sauver, man. Aïe, aïe, lâche-la. Ah! Aïe, laissez-moi la. Laissez-moi la sauver. Touche pas ma mère. Pourquoi Washington vous envoyait attaquer la frontière? Oui. Washington, il cherche quelqu'un, une indigène qui a tenté de s'en emparer. Ce n'est pas toi qui lui révélera où je suis. Comment Washington peut-il être impliqué? Il n'est plus commandant en chef, il s'est retiré à Mount Vernon. Tu te berces d'illusions, Radon Agedon. Cela fait très longtemps que le pouvoir a corrompu Washington. J'ai voulu l'arrêter, mais j'ai échoué. J'ai seulement réussi à attirer sa colère sur notre peuple. Je n'y comprends rien. Ça n'a aucun sens. Les hommes du roi Washington sont en train d'attaquer Concorde. Ils tuent tout le monde. Et ils te cherchent, Ganedio. Le roi Washington? Viens. Je m'attendais pas à ce qu'il ose une telle attaque. Tu parles bien du général Washington. Quoi? C'est quoi ce délire? C'est un. Ce DLC, c'est quoi? C'est un prétexte pour attaquer le roi Washington? D'après moi, je pense que c'est ça, là, ouais. Je pense que c'est ça, ce DLC, c'est un gros prétexte pour attaquer le roi Washington, ouais. George Washington. Ah, faut dire roi Washington after. C'est ah, ouais, c'est... Beaucoup d'innocents sont ah, ouais, je sais pas. Pas seulement ceux de ce village. C'est pas un gars qui a filmé quand on fait le DLC, mais. C'était de la bonne cam, ah oui, c'était de la bonne, ah oui, ah oui, c'était pas du tabac, du magasin, du dépanneur, là. Lol. Ah, wow. Dites-nous où elles se cachent et ils seront épargnés, sinon ces gens brûleront vite. Tout dépend de vous. On ne connaît pas cette femme. Dans ce cas... De grâce, pitié. Il y a des femmes et des enfants à l'intérieur. N'avez-vous aucune pitié? Ne faites pas ça. Je vous ai laissé le choix. Ah bon. Ne fais pas de bruit. Ils vont brûler des femmes et des enfants, c'est pas gentil, ça. Ils ne doivent pas te voir. Non, honnêtement, le jeu, ils ont quand même un peu mieux amélioré, je trouve. En tout cas, juste les DLC. J'ai pas fait le jeu de base, je vais peut-être continuer le jeu de base plus tard, ou peut-être de refaire un moment donné, mais je suis pas sûr de le refaire un moment donné. L'histoire est bonne, mais c'est pas le pour moi, c'est pas des plus fun, c'est pas pour moi des meilleurs. En termes d'histoire, Armageddon, une histoire un peu vague, je préfère l'histoire d'Edward Kenway, qui est deux fois mieux écrit. Même si certains diront que c'est pas un Assassin's Creed, mais un pirate, et oui, pis tu sais, c'est un banquier, c'est pour ça que dans Assassin's Creed 2, la Ezio Trilogie, tu peux voler les joueurs, tu peux voler les citoyens, les villageois, puis construire des baraques, là, rénover des maisons, c'est pas que ça, butin de banquier, l'aile. Ah, ouais, c'est vrai, mais bon... Une question, je me demande, ceux qui disent ça, si Ezio se banquier, Altaïr, c'est quoi? Un dictatien? Lol. Non, mais moi, c'est ça que j'ai eu l'impression avec Altaïr, j'ai eu l'impression que c'est un putain de dictatien. Le gars, dans le fond, il sert juste à t'apprendre comment jouer, puis d'habitude, lol, le bon. Mais bon, si on peut y aller dans l'extrême, si on peut y aller dans l'extrême aussi, mais bon. Je connais pas grand monde pour la lance le jeu en 2020 de Assassin's Creed 1. C'est un jeu qui est tellement vieilli. Là. J'ai voulu le lancer récemment, mais non. Quand j'ai vu la gueule du jeu, ah non, fuck all. J'avais les yeux qui piquaient un peu.
quand j'aime moi, la fait qui fait rire, c'est que quand j'entends, et ça je t'avais eu le balancer commentaire. Libère-les. Quand j'entends des youtubeurs qui disent, comme moi j'avais ça sur la chaîne de Bugland, il avait dit un truc du genre que. Il avait lu une news comme quoi qui dit que les joueurs Xbox, c'est de votre faute si vous allez avoir que des reboots. Ah. Du coup, c'est de la faute de PlayStation, c'est de leur faute à eux s'ils font, ils nous font que des remakes, que des remastered, parce qu'à cause de PlayStation, vu qu'il n'y a pas de rétrocompatibilité, ils se sont dit on va faire des remakes, remake après remake. Bah oui, parce que c'est bien connu, si des remakes, des remastered sortent sur PlayStation, Xbox aussi veut avoir le remastered sur sa console. Fait que du coup, c'est pire. C'est pire d'un côté parce que non seulement chez PlayStation tu bouffes des remastered, mais en plus à cause d'eux autres on a des remastered aussi sur Xbox. LOL, c'est ça, c'est. Alors que sur Xbox c'est des reboots qu'ils vont faire, oui des reboots, mais les pros PlayStation s'en sacent parce que Chris, ils ont pas accès à ces reboots là, ben non, il faut une Xbox, une Series X ou un PC pour avoir des reboots là, mais oui, les reboots c'est Xbox, c'est pas PlayStation. Ceci est ma faute. Éloignez-vous le plus possible de la ville. Cachez-vous dans la forêt. Cachez-vous dans la forêt. Ah, bonne idée, ça. Oh! Et voilà! La première victime! Ah! Finalement, j'aime bien ce DLC. Là-bas! Ah, lol! Feu! Ouais, j'ai ma Gaiden. Ah, ma Gaiden. Non, mais excusez-moi, mais Armageddon, c'est pas un assassin. Faut pas confondre non plus. Si on ne les arrête pas, je ne me le pardonne pas. C'est de la folie. Je ne comprends rien à ce qui se passe. Moi non plus, je comprends rien à ce qui se passe. J'essaie de pas comprendre en fait. J'essaie de pas comprendre, moi. Ah, c'est quoi ce DLC? Oh là là, c'est quoi ça? Ouais, d'après moi, je pense que c'est l'époque où Ubisoft en fumait du bon avec les DLC. Je pense que c'est cette époque-là, ouais. Il fait un temps nouveau! Ouais. C'est ça, Arthur, les jeux d'Ubisoft en temps, c'est ça. Il fait un temps nouveau! Nous voilà, donner des moineaux! Là, là. Ouais, c'est ça, en fait, ouais. Mais bon. Comme là, ils veulent créer un cercle vertueux avec les jeux free-to-play. Comme c'est là, c'est plus créer un cercle vicieux parce que t'as tout le monde qui se met à gueuler. Ouais, c'est microtransaction. Non, c'est ridicule. Venez ici vite, aidez-moi à charger le canon. Mais j'ai remarqué ça un moment donné, à force de chioler pour rien, c'est de critiquer un studio pour les petites affaires, petits détails. C'est vraiment chercher la petite bête, honnêtement. L'armée du roi est en marche. Sers-toi de ce canon pour l'arrêter. Oh, ça me rappelle fait. Ah, ça me rappelle Fable 3, ça! Ah, Fable 3, ah, j'ai oublié que c'était vraiment le même à l'époque, les. C'était, ouais, sauf que là, tu remplaces les zombies par des anglais, c'est comme dans Fable 3, là, avec une scène de même dans Fable 3. Très bon jeu, au passage, si vous n'avez pas fait Fable 3, vous avez le X-Cloud, go foncer X-Cloud, sinon achetez-le, sinon jouez-y sur le Game Pass, whenever, mais. Honnêtement, très très bon jeu, Fable 3, honnêtement. Je vous recommande si vous l'avez pas fait. Les deux premiers sont bien aussi, sont bons aussi, honnêtement. Moi, honnêtement, j'ai pas de préférence pour les Fables, Fable 3.
reboot avec, il y en a pas mal. Pas des nids, tu les couches, waouh. Wow. Ah, ils sont là les tuniques bleues, ok, c'est eux autres qui sont bleus, ouais. Ah non, c'est pas eux autres, lol. Est en marche. Sers-toi de ce canon pour l'arrêter. Ni, je suis plein feu qui avait du mal à viser à l'époque dans les jeux de tir. Là, le monde aurait dû rager à wow. Ah, ça devrait rager sévère, là, wow. Ça, ouais, ça aurait été drôle, là, il me semble. D'attendre quelqu'un ragé, là, il me semble. Je suis toujours connu quand quelqu'un ragé. Ils sont jamais morts, eux autres des tuyaux bleus, Colis, c'est quoi cette affaire là? Oh ouais, je vais crever. Ah, faut que je les empêche de fuir un truc de même.
L'armée du roi est en marche. Sers-toi de ce canon pour l'arrêter. Ah, faut que je m'empêche de fuir, ok, ouais. On va recommencer une dizaine de fois, lol. Ah, je pense que le live va se poser que sur ce style. Ah, bon. Une chance que je l'ai pas fait à l'époque. Vous comptez aller quelque part. C'est n'importe quoi. Honnêtement, c'est n'importe quoi. Il y a trop d'ennemis, c'est quel que vous tirez en premier? C'est ça! Oh my exact, là. Quel l'armée que je tire en premier, là. Je vais peut-être refaire le DLC plus tard, voir le jeu plus tard, voir si on... Si on patché les pattes, si on patché les trous d'un plafond... Le roi est en marche. C'est quoi de ce canon pour l'arrêter? Honnêtement, quand que j'ai vu qu'il courait dans la prison un moment donné, j'ai pas compris celle-là. Ah wow, un remaster... Il faut un remaster, mais il oublie de remasteriser les plafonds. Ah, c'est n'importe quoi, là. Ah wow. Moi, quand j'entends du monde dire ouais, ça serait bien un remake de Assassin's Creed 1, oui, lol, mais un remaster, ça serait bien, mais un remake, c'est encore mieux, ben oui. Ben oui. Vu la gueule du jeu, le jeu est quand même assez bien, faut pas tirer sur l'ambulance non plus, en plus de tirer sur le chauffeur, là, on va pas trouver dans le champ. Lol. Ah, wow. Ah, c'est n'importe quoi, Lune. Lune. Oh.
Et ouais, encore désynchronisé. Un spécial fig. Ça va être ça le live aujourd'hui. Assassin's Creed 3, déshonoré, spécial fail, on a fait demain. L'armée du roi est en marche. Abonnez-vous. Sers-toi de ce canon pour l'arrêter. Je suis un peu de traverser. Oh, réussi. Ils battent en retraite. Vrai, ça sent pas spécial. Nous avons réussi. Les troupes de Washington ne se replient pas. Seule la mort les arrête. Allons, après Lexington. 3, 4 on aura une meilleure position là-bas. Ben oui, on peut pas tous réussir d'un coup. Moi, ça m'avait fait rire une fois. Il y avait une personne qui m'avait dit une fois comme quoi, oui, mais t'as recommencé, tu l'as eu, mais t'as recommencé. Ouais, alors le recommencement est aussi signe de victoire, me semble. Mais bon, de détermination surtout. Seulement, j'avais réussi à prendre le sceptre. Je dois réparer mon erreur. Sceptre. Mère, tout cela devient de plus en plus difficile à comprendre. Ouais, je pense que c'est relié au pop des dunes, un truc de même. Longtemps j'ai pas joué, mais je commence à reprendre un peu le truc. Moi, s'il y a vraiment un truc que je suis vraiment plus capable, c'est
Entendre des fois le monde s'accrocher aux moindres détails, aux moindres petits fails d'un studio comme Ubisoft, puis ouais, il est à terre, on tape dessus pour éviter qu'il se relève. Vous voyez ça un peu, on appelle ça par chez moi chercher la petite bête, chercher la merde où ce qu'il n'y en a pas vraiment. Pour moi, c'est du gros n'importe quoi. Mané, faut arrêter. Mané, je me dis. Tu peux boycotter le studio si tu veux, mais entraîne pas tout le monde dans ton boycott parce que le monde le monde d'aujourd'hui veut se faire sa propre avis. Parce que t'as beau dire ce jeu-là c'est de la merde, ce film-là c'est de la merde, le monde ils vont l'essayer puis ils vont se faire leur propre avis. C'est ça, le monde d'aujourd'hui se font leur propre avis, c'est ça le truc aujourd'hui. Elle est ici. La sauvage qui a essayé de voler la source et le symbole de mon pouvoir. Regardez-le bien, car c'est la dernière chose que vous verrez jamais. Je suis venu vous détruire, vous et votre misérable village. Votre engeance ne mérite pas de vivre. Général Washington, pourquoi faites-vous ça? Après tout ce que nous avons pu réaliser. Allons, il faut vous ressaisir. Un autre sauvage égaré. Je n'ai jamais eu l'esprit aussi clair de toute ma vie. Agenouille-toi devant ton monarque, le roi Georges, et profite de tes derniers instants pour te repentir avant de disparaître. Caporal, vous savez quoi faire. Ah, c'est quoi ça? Ah wow, George Washington devenu roi, lol. Ah wow, c'est quoi, wow. Ah wow, wow. Pis en plus, c'est Tom Biden. Lol. Ah wow. Il y a la pomme des dunes en plus, lol. Ah wow, c'est... Ouais, c'est du lourd. Lol. Ah, finalement, ce DLC commence à me plaire, finalement, ouais. Reviens ici. Ouais, c'est vraiment, ouais. Lol. Ah, wow. C'est fort, vraiment. Il faut le faire, vraiment. Lol. C'est le DLC à faire, vraiment. Lol. Ouais, lol. C'est pas fait, ouais. C'est tout lourd! Là! Il faut les arrêter! Ah bah wow, c'est lol. On revient pas. Ouais. Que des bons souvenirs. Hein. Ouais. Arrête-le! Il y est presque! Ça, ouais, crève. Non, mais tu vas crever, oui. Ok, tu vas cacher du crève et tu crèves, stupide PNJ. Les PNJ, ils sont faits pour être butés dans les jeux. C'est pas l'inverse, là. C'est quoi, là? Ah, wow. Allez, plus vite! Oh shit! Okay, ouais. Une bride poudre explose. Rata Nakedon, une tunique bleue là-bas. Empêcherait de mettre le feu au baril de poudre. Ouais, fatigante, t'arrives pas de m'appeler Armageddon. Je m'appelle pas Iron Maiden, mesdames. Je m'appelle Connard! Lol, ouais. En voilà un autre! Lol. Voyons.
autre, il va allumer la mèche. On va l'empêcher d'allumer la mèche. Viens t'as ici. Ouais, wouh. Qu'est-ce que tu es? Allumer le feu. Arrête-le. Il y est presque. Non, t'es pas presque du tout. Tu vas aller à l'autre bout. Amenez-moi au bout de la terre. Amenez-moi au pays des merveilles. Une tunique bleue là-bas. Ouais, c'est bon. Une tunique bleue, ouais. Il y a une bande dessinée qui s'appelait de même, me semble. Je voyais souvent quand j'étais à l'école, ça s'appelait les tuniques bleues. Ouais, c'est vieux, c'est dans le même temps qu'Astérix environ. Non, chez Barbie's reste au pas grill. Non, tout, Barbie's. Ouais. Le matin, je suis pas encore réveillé, ça fait que je chante des coups de pub, ça me réveille. Ok. En voilà un autre! Ah! Allez, éteindre le feu! Là, c'est plus allumer le feu, c'est éteindre en star, là. On va éteindre le feu! Ok. Pas le temps de niaiser. Oh, what? Yeah! Bon. Il a essayé de raser la ville entière. Tout est ma faute. Tout ça est très étrange. Washington est mon ami. Le bon sens guide chacune de ses décisions. Mais ce n'est certainement pas l'homme que j'ai vu aujourd'hui. As-tu perdu la tête? Quand crois-tu avoir rencontré ce monstre? Je l'ai rencontré. Merde, ça n'a aucun sens. Washington, c'est tuerie, tout ça. Nous devons rentrer et avertir les nôtres au village, avant que ce roi dément ne les massacre tous. Bon. Grimpe sur ce cheval. Bon, sur ce, les potos, ça va être pas mal tout pour cette petite vidéo. Honnêtement, j'étais quand même surpris, de voir ça, honnêtement, ce DLC, honnêtement. Il est meilleur que je pensais, moi, honnêtement, je m'attendais pas à grand-chose. Comment on fait monter, déjà? Grimpe sur ce cheval. Monte sur ce cheval, Raton Nakedon. Je fais comment pour monter? Tu connais, là? Je te rappelle plus comment monter sur un cheval, là. Grimpe sur ce cheval. Monte sur ce cheval, Raton Nakedon. Bah ouais, je fais comment? Grimpe sur ce cheval. Monte sur ce cheval, Raton Nakedon. Bon. On va se laisser là-dessus. Je sais pas comment monter sur le cheval, mais bon. Grimpe sur ce cheval. Ouais, je vais réapprendre là. Ça fait tellement longtemps, Lille. Mais bon. Sur ça, les potos, monte j'espère sur ce que cheval, cette vidéo vous aura plu. C'est le cas des petits pouces bleus. Ça fait toujours plaisir. Ainsi que d'abonnement à ma chaîne. Si mon contenu vous plaît, avec le général, bien sûr. Et sur ce, les potos, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et c'était Gizmo64 pour un petit let's play sur le DLC de. Sur le DLC d'Assassin's Creed. D'Assassin's Creed 3. Vraiment meilleur que je pensais. Honnêtement. Je l'avais jamais fait. Fait que. Ah voilà, j'ai trouvé comment monter sur un cheval. Lol. Bon. Sur ce, les potos. Je vous dis à la prochaine. Et ouais, fallait vraiment que je finisse sur une vidéo comme ça.
n'importe quoi, mais bon. Sur ce, les potos, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous dis à la prochaine. Allez, ciao et bon début de week-end. Allez, ciao.